Ouvre les yeux, Link. Ah ouais, on fout la merde, direct. J'ai envie de foutre la merde. C'est parti. Wrath of the Wild, qui veut dire... qui veut dire un court moment de sauvagerie. Ah, oh ouais, direct. Bah allez, je vais mettre ça là. Voilà. Oh j'adore, oh, open world. Excellent, on peut en faire des choses dans ce jeu, c'est fou. Qu'est-ce que c'est? Il me fait un câlin, lui, ou faut que je le défonce? Ah, on cherche la marave? Oh oui, on cherche la marave! Allez, direct, là, y'a qui? Je me suis planté. Évidemment, si tu avais une part à voile, bien sûr. Comme moi, ça serait une autre histoire. Donne-la-moi! Mais avec plaisir, mon... C'est comme ça que ça marche dans la vie! Eh, bah, je veux ça! Oh oui, d'accord. Tiens. Je veux la Switch, là-bas! Oui, mon garçon. Absolument. Go. Try again. Oh, ça va être chiant. Mais je suis con, j'aurais pu TP depuis tout à l'heure. Attends, c'est ça que je voulais faire. Pardon. C'est vrai qu'on peut TP, tout simplement. Au nom de la Vésilia, on sera dans son rêve de triomphe. Je vais la faire à chaque fois. Parce que j'ai 2 ans et demi. Et les proutes, c'est rigolo. Je reviens sur un vieux prout JPP. Désolé. Non, il expulse. Mais non, c'est... J'en ai marre d'être nul. C'était vachement bon. Attends, je vais faire le truc stylé là. C'est quoi après, faut appuyer sur ça. Non. Je vais faire le truc stylé. J'ai pas eu le temps. L'idée était bonne quand même. Je vais faire un truc stylé. Je suis vraiment nul à chier, c'est fou. Touche la fleur. Y'a encore un truc là-bas. Ah putain, c'est un jeu de piste. Énorme. Une fleur, il va y avoir un truc qui va me tomber sur la gueule. C'est ça l'idée? Attends, je fais jusqu'au bout parce que sinon... Ah, tu m'as trouvé. Ouais. Je suis un corgi et une belle des bois. Merci. C'est mes noix. T'as vu mes noix? Did you see my fucking nuts? Ces petites noix que vous avez données à un corgi sentent un peu fort. Mais il paraît qu'en retrouver beaucoup porterait bonheur. D'accord, je peux te défoncer ou pas? Me faire bouffer, ça c'est des méchants ou pas? C'est des méchants tout ça, c'est des méchants ou pas? Non, c'est des coquillages. Ça va alors, ça va, ça devrait le faire. Je devrais pouvoir m'en sortir face à des coquillages. Quoique... attends... je parle un petit peu trop vite. Il est possible que je me fasse la Telfion. A priori, je me fais la Telfion par une biche, alors on sait jamais, peut-être une coquille Saint-Jacques. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Oh, c'est kawaii. C'est choupinou. Mais je peux pas m'empêcher de penser comment ils font pour baiser après. Excusez-moi, c'est genre, si c'est comme un poisson, elle fout des œufs un peu partout et puis lui, il doit jeter sa semence sur les œufs, c'est un peu dégueulasse. Ça, dans les ouïes, ouais, j'ai pensé aussi. Tous les trucs dégueulasses, j'ai pensé, t'inquiète pas. Je crois que ça va mal se passer, cette dernière activation. Bon, bah allez, un dernier boss, puis j'y vais. Avec 3 HP. Trop bien. Ferme-la, s'il te plaît. Laisse-moi concentrer. Je gère la situation. Ah, si, je comprends pas. Ah, d'accord. Elle me laisse pas me concentrer en plus, ça veut dire. Mais ferme-la. Déjà, je galère, j'arrive même pas à remonter sur la plateforme. Attends. Je prends un radis. Bouge pas. Fucking die. Ça va pas marcher. Bon, bah voilà. C'était facile. Au réceptacle de cœur! J'aimerais te le confier en signe d'amitié, garde-le toujours précieusement avec toi. Oh, putain, on dirait que j'ai la voix du défécator. Oh, énorme! Salut, c'est défécator. On défèque sur les fakes. Pourquoi? Non! Je vais droit dessus, en plus je sais qu'ils sont là! Non, mais what the fuck? Ah, non! Oh
Oui d'accord, je me fais aggro partout de la planète quoi. Oh non mais ils ont partout quoi. Ok. J'ai compris. Merci les potes. Alors oui Aishu, ça serait une bonne idée si tu allais là. T'inquiète pas, tu vas pas du tout traverser une zone qui est pas du tout faite pour ton niveau et tu vas pas juste te faire one shot H24. T'inquiète pas. Et confiance en nous Aishu. J'ai pas sauvegardé. Je pense que ça sauvegarde automatiquement là. Ombre devant de Ganon. Ah oui, il avait pas pop encore. Ok, ça c'est fait. Je me suis pas auto-laté la gueule là. En fait, faut le bourrer lui. Mais putain, c'est quoi ce boss de merde? Mais attends, c'est full débile. Je l'ai bourré H24, j'ai rien compris au fight. Je suis fortement déçu. On a des HP en plus. Je vais t'offrir le pouvoir des courants ascendants. La rage de Revali est maintenant tienne. Calme-toi. Et ne me remercie pas, surtout. Ah bah non, clairement pas, non. Là j'y comptais pas. Hein. Allez, vas-y, je ne te retiens pas. Ouais, merci, hein, c'est gentil en plus. Hein. Tu as encore beaucoup à faire, je me trompe. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Allez, sans rancune, hein, loser. Bon bah merci, c'était une belle aventure, hein. Merci de m'avoir indiqué ce point, donc à l'autre bout du monde. C'est bien fait chier la bite, mais qu'est-ce que c'était intéressant, je trouve, comme petit voyage. Ce personnage, c'est genre une sorte de gros ado casse-couille qui sait pas trop ce qu'il veut. Non, je ne suis pas disponible. Veuillez laisser un message après le sanctuaire. Je me suis fait alpaguer par une nana, genre, je crois. non, surtout pas. La dernière fois, c'était chiant. J'ai dû sauver, je sais pas quoi, tout un village d'hommes poissons. Non, j'entends plus. Maintenant, j'entends plus ça. Non. Il voyait aucune malice. Pardon ? C'était aussi con que ça ? Depuis le début ? Non mais non, c'est pas possible. Attends, quoi ? Vous m'avez fait courir comme un âne sur 3 millions de kilomètres. Alors j'aurais eu un poney, j'aurais fait ça en 10 minutes. Je serais parti de là jusque là-bas en littéralement 10 minutes. Donc en fait c'est ça, ça rend le jeu tellement ouf. Merci à vous encore. Et là, il va se barrer. Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes? On dirait un énorme brocoli. Vous êtes vivant? Vous êtes animal? Vous êtes... Oh non, c'est... Oh putain, d'accord, j'ai compris ce que c'était. C'est un gros rogu. C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à boire. Pourtant je suis un brocoli de 5 mètres de haut, bordel de merde. Je m'appelle Noyard, comme mes noirs. Les méchants monstres qui vivent juste là ont coché mes maracas adorés. Je sais pas, j'ai un peu l'accent québécois. Ils ont coché les doigts. Les maracas, mais bien sûr. Ah ben on va récupérer les maracas, on a que ça à foutre. Les maracas, oh ils sont vides. Ils contiennent plus une seule noix corrogue. Impossible d'en jouer. Sniffou. Et je pourrais agrandir ta sacoche, par exemple. C'est ce brocoli de merde là qui... Ça te ferait plaisir que je t'augmente tes sacoches là. Non, c'est pas possible. C'est improbable, quand même. Ouais, je comprends mieux pourquoi vous voulez absolument qu'on s'arrête pour aider un connard de brocoli géant. Si tu m'en donnes une, je t'accorderai un petit compartiment de ta sacoche en échange. Allez, danse avec moi, petite noisette, c'est pas fini. Oh. L'as-tu vu s'éjaculer comme ça, mais mon record. Je me sens mieux avec mes maracas là. Pas compris, de quelle forêt il parlait. J'étais pas concentré vraiment sur ce qu'il disait, mais comment il le disait. Et surtout, c'est incroyable, les jacques de maracas comme ça, là. Ces petites noix et ces machins qui pètent là. C'est ça, aucun sens, ce personnage. Pardon, excusez-moi, t'as pas fait la voix, non, parce que là... Vous voulez que je fasse la voix à chaque fois qu'il y a un corrogu? Mais 900 fois, on est parti? On fait ça? Moi ça me va. Je fais les proutes et les corrogus à chaque fois. Alors, les proutes à chaque sanctuaire et les corrogus, c'est acté. Ah ouais, oh putain, le temps que tu gagnes, waouh. J'ai la gerbe.
Tu veux un tips pour le froid? Mets un truc chaud. Merci Yuki. Je regarde la tempête de sable. Et tu veux regarder toi aussi? Il y a toujours des tempêtes dans le désert. Et malheureux à toi, si tu te fais prendre, tu retrouveras pas ton chemin. Ceci, je suis quand même seulement quelques heures dans la journée. Et moi, je vais aller là où il y a la grande tour. Alors je regarde, puis j'attends. Mais ça se calme pas. Alors j'attends. Ah non, elle est toujours pas calmée. Et puis là non plus. Puis là non plus. Les épées du Dirul, les épées dures Dirul, les épées dures Dirul. Tu la sors dans un donjon, moi t'appelles l'air des bulles. C'est l'arme des bourrins qui savent être subtils. Partez pas à l'aventure sans votre épée dure Dirul. Putain, c'est dur à dire. Votre épée dure Dirul. Oh. Ça marche. Mais comment tu veux faire une diversion banane? Ils sont bas les couilles. Attends, j'ai compris. Je peux pas l'envoyer. Trust me, I'm Link. Je me laisse la carte comme ça et vous cliquez à peu près là où vous pensez que se trouve la forêt des Korog. Si vous vous souvenez pas, c'est pas grave, au moins comme ça, ça fera un peu de mystère. Et vous êtes prêts? Cliquez. Dans une zone vague. Hein. Quel monde de canards. Merci les mecs. Donc la forêt est en moi, c'est ça. Ça marche pas sur le boss, par contre je pète un câble. Elle est rapide, fais attention, ne la laisse pas te surprendre. Viens. Viens. Viens, connasse. Spear. Tout loupé. J'ai tout fait. Tout fucking loupé. J'ai bouffé. Là, je bouffe, par contre. Ok. Putain, mais non! Non, please. Oh oui! Ah, je suis content. Oh putain, nique sa mère. Non, c'est fini. Rassure-moi, il n'y a plus une P2. Oh, il y a une P2. Non? Explose? Implose? Meurs? Crève à tout jamais? Nique ta mère. Ah, une P15. Ah, nous. Ah, c'est cool. Ouf. Bah, je suis pas mécontent de l'avoir torché, celui-là. Alors, en fait, là, c'était l'énigme la plus pourrie. Les énigmes les plus pourries, le boss le plus chiant. J'ai dit nouille. Ouais, un PV. Aïe. Ah ouais, on a un sacré pif, hein, mais... Ah, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Un bisou? Un striptease? Ah bah le bisou, attention, Kouné. Ouais, c'est ça, faut pas y aller, faut bien se décaler, que ça soit un briquet, sinon... c'est un coup à se péter le nez, toi aussi, de ton côté. Trop cher, Ganon, y'a qui? Nabour. Parmi les Gerudo, acclamé. Ah, Gerudo! Allô? Shiner! Elle dit Gerudo! Ah non? Bah oui, du coup, non, c'est moi qui disais Gerudo. Pardon. Tu appartiens à notre peuple. Des bisous, Shiner. Gerudo, donc. Burn! Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, la belle rouge. Oh. Ça fait un peu mal un coffre sur le coin du nez quand même. Ok, j'aime bien sa gueule. Alors. C'est Ganon qui a créé cette bestiole. J'ai peut-être pas réussi à lui faire sa fête il y a 100 ans, mais avec toi, ça va pas être la même. Vas-y, refais-lui le portrait, petit gars.
Alors, deux secondes. Trigger. P2, P2, P2. C'est la P2, c'est la P2. Il est où? Il est dans mon cul. Headshot. C'est bon, ça, un mâche-feu. Cette hache de la surcompensation. Je vous parlais d'une hache de la surcompensation, et là, on c'est quoi ça? C'est pas grave. Et j'ai la Mifa aussi, oui. Je sais pas si j'allais me faire one shot. Hé hey, c'est un one shot? Elle est là, Christine? Christine Bouquetin, 50 000 $! Ah, le pouvoir d'Urbo, ça. Mais non, mais ça, c'est pour les gens qui ont pas de skill, ça. Non, mais c'est pour les gens qui ont pas de skill. Je m'en fous, moi. C'est trop facile, après, le jeu. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Plus un HP. Non! C'est pas ça que je voulais faire. Oui, ta gueule. Avec ça, je peux le deflect ou pas? J'ai tellement bien deflect, regarde, je l'ai one shot, j'ai manipulé les RNG. C'est un petit truc à faire, ça. J'ai eu l'impression de paniquer, mais en fait j'étais en train de manipuler les RNG, je me suis accroupi exprès. Et un truc, c'est à la frame près, attention, c'est très dur à faire. Normalement, je reprends ma save et là le mob est complètement one shot. Je squatte et je fais semblant d'être mauvais depuis le début, en fait. Mais je vais commencer à vous montrer les vrais strats. Parce que ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve de faire semblant au bout d'un moment. Comment on fait? Bonsoir. Merde, attends. Merde, il tient pas. C'est ça? Merci à toi. À très bientôt. Pansy, cours après ma feuille. Attrape pseudo ma feuille. Je suis sous le rocher. Non, je déconne. J'étais là-bas, petit bâton. Tu veux voir mes belles noix? C'est ça, tu veux mes noix? Allez, bouge d'ici, mon petit niaiseux. Fais plus vite, tu refroidis. Tu refroidis, on dirait la neige, je tombe en acte. Je t'ai fait faire un tour complet. Je t'ai mis en crise, mon petit niaiseux. Oh, j'aime pas ces cheveux. On n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais de la tête qu'on fait, me disait ma maman. Elle avait pas tort. Donc il faut que je sois souriant et je souris à la vie. Allez-y, souriez pour voir. Bah ouais, non mais cherchez pas, hein. Ah non mais je vous assure, c'est hyper flippant, hein. Oui, vous voulez que j'aille à la forêt? Bon, mais c'est quoi, on va à la forêt, d'accord, j'ai compris. J'ai 125 clics, 100% sur la forêt. Bravo Chineur qui a cliqué 125 fois en espace de 3 secondes. Non, on va à la forêt, en juillet. Il va aller à sa putain de forêt, merde. Vois Zizi. Et voilà. Et oh merde. Il tient plus. À bientôt, voyageur. Ok, le mec lance une secte. Mais non, c'est pas moi, c'est la secte des torchons sur la gueule. Ils ont tous des torchons, les moines, là. Du coup, pratique sur 20, quand même. Torchon sur 20. Ah, il a pas de torchon, mais je le fais quand même. Il a pas de torchon sur le crâne, lui. Merde, attends, what? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai fait le con. Ah non. C'était pas le bon. Ah. Un total foiré. Ah non. Oh, mon premier prout de foiré. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 12. Du coup, on va aller voir nos amis les Korogus. Je vais la chercher. Il va la chercher. Il va le faire. Donc c'est ça que j'aurais récupéré. Tu regardes le vieux. Viens, c'est parti. C'est pas mal. Pas mal. Les Korogus, on s'en fout.
Quête annexe. Quête annexe. On dirait un médicament, genre. Ouais, je suis sous quête annexe en ce moment. J'en prends trois fois par jour. Pas je dépasse 5 grammes, par contre, ça me rend colérique. Épreuve de l'épée. Un défi permettant de libérer les proutes. Ou alors, faut arriver à viser, genre comme ça. Ok, alors au pire, avec un rebond. Le par est de 2. Oh, c'est Tiger Woods, quoi! T'es-tu Tiger Woods, mon ami? Ah, mais non! Ah, si, voilà. Non, mais mange pas la pomme! Ne mange pas la pomme! Il va pas faire ça. Qu'est-ce qu'il branle? Il va poser sa petite pêche derrière. Il va peut-être poser sa pêche sur le Korogu. Voilà. Oh non, il mange la pomme! Vite! Il mange la pomme! Mon goulot! Non! Le Korogu ne viendra jamais si tu manges la pomme, pesto! Oh là là, quel cheval de merde! Mais non! Mais non! Qu'est-ce qu'il fait, ce con! Oh, please, non! Attends, ça va pas. Attends, on va te mettre là-bas. Voilà. Hop là, à tout de suite. Sacré pesto! Bonsoir. Je ne voudrais pas vous déranger, mais qui êtes-vous? Vous êtes joli. Ah, c'est un des... Alors, sacrés ongles, déjà. On part sur un truc... belle manucure. Folie des selfies. Retrouvez ce streamer qui perd la vie alors qu'il essaye de prendre une photo pour son Instagram et gagner quelques viewers à côté d'un dragon de type Nedrark. Yes. Ah bah c'est bon. C'est bien le moment. Les gens me font des requests et je joue pour eux. C'est beau ou pas? Ouf. Ouais, d'accord. Vraiment débile. Attends. Je prends une putain de grosse arme à deux mains. Oh oui. Oh le bolossage! One. Putain. Mais il est cool, Aichu. Deux shots. C'est du codicille. Timing excellent. Bienvenue à toi. Nique bien ta sœur. La noirceur de l'âme de Ganon enveloppe son corps. Cette aura le protège de tout à fait. Non. Mais alors, zut. Il te faudra viser les points lumineux. Mais quel point lumineux! Tout est brillant! Le pouvoir des triangles équilatéraux! La trigonométrie! En tenue Zora, ouais. Ah oui, du coup, hein, j'ai la tenue de mon ex, ou je sais pas quoi, devant elle, tu sais, genre. Ouais, mais je préfère une autre femme, je suis désolé, Zelda. A plus. Merde. Quel enfer. Ok. Merde. Comment waste toutes ces flèches, parce que, oh là là, c'est tellement pas fun. Oh, pff, genre. Merde. Oui. Précédemment finie, cellule au tiracle. T'as au moins perdu à peu près 30 ou 40 flèches. Je te donne mes noms, mais tu me fais un peu pitié. Tu fais un peu pitié, moi. Tête des orques. Alors, allez, fais-moi ça, tu dois courir du sac. 1, 2, 3, 4, toi. Si, tiki, 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 on a toutes les couleurs de la conseil du sexe. Oui, le bleu, le rouge, le vert. Yeah. Commence à être bien rempli, ce Marcus. Ça fait le sexe de qualité. La dame chou-fleur m'en va de la coulisser soir, tu vois. Votre attention, chers spectateurs. La séquence qui va suivre contient un taux anormalement élevé de mauvaise foi et d'ignorance envers des mécaniques de game design implémentées dans divers jeux depuis une trentaine d'années.
Si vous êtes un amateur de game design, ou bien que Zelda est votre franchise du jeu préféré, le visionnage de cette séquence pourrait bien s'avérer vous être insoutenable. Aussi, si des pulsions violentes telles qu'insultes, auto-claquage de tête sur le bureau et autres face-palmes font leur apparition, nous vous invitons à prendre une profonde inspiration, et à cliquer sur le pouce bleu situé sous ce vidéogramme. Cette action entraînera le déploiement de dopamine dans votre corps, ce qui aura pour effet de n'absolument rien changer à votre état actuel, cependant cela améliorera le référencement de votre streamer préféré. Ceci était un message de l'INPES. L'Institut National de Protection de l'Espoir chez les Streamers. Retourne-toi, retourne-toi, Benoît, retourne-toi, retourne-toi. Alors, il est là, mais comment je fais pour faire éclater le truc? Ok, je vais faire ça. Attends, 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 bouge pas. C'est un peu tricky. Mais non! T'as pas... Quoi, ça marche les flèches explosives là-dedans? Tu fous ma gueule? Mais c'est n'importe quoi ce jeu! C'est vrai, ça marche avec des flèches? Quand tu te fais chier la bite, mais oui, mais toujours. Il comprend maintenant, Giner. Ça fait 3 mois que là que je fais du Zelda où je me fais chier la bite, moi. Moi, c'est une édition spéciale. Ils m'ont pas livré avec le cerveau. Du coup, moi, je fais tout genre comme il faut pas. Oh non, mais ridicule. Mais ce jeu. Pff. Une petite fléchounette là, comme ça là, dans des rochers, genre des trucs qui explosent. C'est une flèche explosive. Non mais t'as vu, c'est un petit ballotin de rien du tout, ça fait piouf. Moi je te parle de rochers qui font plus de 3 tonnes et puis ils sont tous enchevêtrés les uns des autres. Ça fait des millénaires qu'ils sont comme ça les bordels. Mais non, ok, ok, d'accord, une petite fléchouille et tout, ça va tout péter, d'accord. Okay. Va faire péter un pan de montagne comme, avec des fléchouilles comme ça, explosives. On va voir si ça marche. Là j'ai l'impression d'envoyer un pétard et tu me dis ouais mais c'est normal, ça va péter la montagne. Ah ouais d'accord, ok, bon, bah j'essaye. Ah ouais d'accord, ça marche. La TNT au bout, ça fait même plus de dégâts que... Alors, il y a marqué, c'est de la TNT, moi je vois marqué flèche explosive, dans un jeu qui s'appelle Zelda Breath of the Wild, ok? Dans un jeu où bon voilà, ok, excuse-moi, mais bon, toutes mes armes légendaires, telles qu'elles soient, elles pètent en 3 coups, donc déjà à partir de là, voilà, tes armes ou tes flèches, je m'en fous, la qualité, je parie pas dessus depuis le début. Donc là par exemple, on va dire, allez attends, voilà, est-ce que ça pète le pilier? Ok, c'est pas mal! Bon, ben voilà. Fallait-il le savoir? Bon, ben, je savais pas. Calme-toi tout de suite. C'est pas grave. Ah, je suis mauvais. Bon, c'est pas nouveau. Alors, nous avons un truc pour faire tomber une bouboule. Oh putain. Il faut faire le gyroscope de ses morts. Ah, j'adore gérer le gyroscope. Ah, Super Monkey Ball, yes. Ça marche pas génial ton truc là. Oh, ça m'emmerde. Attends, je vais faire du speedrun. C'est pas compliqué, je suis pas si débile que ça. Oh putain, je le sens mal, il va falloir faire un jump nul. Nique ta mère. Oh, ça va être horrible. Oh please, non. Non, j'ai pas envie, je suis pas patient là. Là, j'ai pas envie ce soir. Oh, j'ai pas envie. Allez, nique-toi. Oh putain, attends, y'a un délire. Attends, mais c'est pas clair. Nique-toi, c'est bon. Nick. X, voilà, je la refais. Quelqu'un m'explique s'il vient de se produire. Quelqu'un m'explique, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Oh oui.